En direct de Gresham sur la petite sœur de l'Ultra Trail Monte Rosa avec le son des enceintes, il va falloir crier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Mathieu qui vient tout simplement de faire un score sur le 23 km, la Gresham Berglauf. Voilà, back to Gresham, ça continue d'arriver. On va crier. Comment, toi qui es habitué aux 100 miles, t'as trouvé un parcours de 20 km aujourd'hui qui a été modifié parce que chute de pierre hier et donc parcours B? Alors, j'ai trouvé très beau, mais très dur. Les parcours courts, c'est toujours très dur parce qu'il faut aller très vite. Et il y en a toujours qui vont beaucoup plus vite que moi. T'as quand même été très vite puisque tu finis troisième, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ça a bien été. Bon, j'ai pris ça un peu comme un entraînement dur où il faut attaquer un peu et puis ça nous motive à attaquer, quoi. Tu t'étais préparé pour le parcours initial ou tu as pris le parcours B dont on a appris la composition hier soir? Tu connaissais déjà le parcours du 23 ou en gros t'as improvisé quoi? Non, je connaissais pas vraiment en fait. Je connaissais un peu de, en gros quoi. J'étais déjà venu dans la région mais je suis pas venu repérer ou quoi que ce soit. J'avais regardé un peu comme ça. Je me suis dit bah, on verra bien ce qui se passe. Donc la trace a été modifiée. À la base on devait faire 23 bornes, 1370 de plus. Pas vraiment technique. Non, pas très technique, il y avait des petits bouts un peu en descente, mais non, mais c'était joli, un joli sentier quand même en montée, je trouve. Question évidente aussi, donc tu fais partie des rares qui connaissent le 100 miles d'Ultra Monte Rosa, qui est sans doute l'un des plus authentiques, durs, engagés et beaux trails, on va dire, alpins européens. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ce 100 miles qui a donc dû être annulé cette année et qu'on guette beaucoup avec l'organisation de l'IDZI l'année prochaine? Alors effectivement, pour moi, c'est quand même un des plus beaux 100 miles, en tout cas de la région, des Alpes. Sur un 100 miles, il est très sauvage, il est beaucoup plus technique qu'un UTMB par exemple. Beaucoup de passages encore tendus. Beaucoup de passages, peut-être pas encore tendus, mais beaucoup de passages techniques et puis beaucoup de passages si on veut. Il y a des très très longues montées en fait. C'est ça qui le rend difficile. On a plusieurs montées à 1500 voire plus de D+. Donc redescente intégrale après. Exactement, et des grandes descentes aussi derrière. Donc il y a les longs tronçons sans ravitaillement, donc voilà, on est beaucoup plus, on doit beaucoup plus être indépendant et puis très sauvage quoi, un parcours magnifique je trouve. Ouais. C'est même pas des passages très très difficiles, mais voilà, c'est des parcours qui sont moins roulants. Bah, pour comparaison, un UTMB, moi je mets à peu près 25 heures et puis là, j'en mets 31, voilà. 31. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Quoi. Genre là, un peu, il y a même kilométrage. Hein. On va guetter l'édition 2021 parce que ce serait trop triste qu'elle se fasse. J'espère pour eux qu'elle se fasse cette fois, ouais. Ils ont déjà pas eu de chance l'année passée avec le temps, il y avait de la neige et tout, ils avaient dû un peu interrompre. Donc j'espère que l'année prochaine ça marchera. La Suisse, direction Provence, prochaine course, les. Prochaine course, le trail de Haute-Provence, ouais. Et puis le trail du Petit Saint-Bernard avant. Ah, forcément, au local. Voilà. Et bah écoute, bonne course Mathieu, le meilleur merci. Pour toi. Et puis merci et puis bravo encore. Hein. Merci. Rendez-vous sur le podium. On est avec la première féminine, on la connaît bien. Nice Roofcraft. Hi Ruth. Katarina, Katanova. Once again, so after Zermatt, you meet here. On l'avait rencontré à Zermatt sur l'Ultrax. Question simple, simple question. How was your race today? Because I guess you registered really late. It was like, oh, I have nothing to do today, so let's make the Gresham Berglauf. Elle s'est enregistrée très très vite. Donc, quel était le plan initial et qu'est-ce qu'elle a perçu de sa course? Yeah, it was a pretty last minute decision. I think we decided yesterday, Friday, Thursday. We registered yesterday. Okay. So yeah, that was the last minute. Donc, il s'est inscrit hier parce que you live in Fribourg. Yeah. Yes, not too So, I will not say that this is a preparation race because I don't like the expression, you know. On n'aime pas trop l'expression course de préparation parce que ça fait un peu, bon, voilà, je rate, mais c'est pas grave. It's like, okay, I'm going to make a bad race, but don't say it's a very important race.
Did you enjoy on the track? And yeah, I did. It was first time for you? The first time doing this course. Yeah, I did the stage race for UTMR maybe 5 years ago. I think it was 5 or 4 years ago. Lizzie had messaged to say that the race was going ahead, so I decided to come and do it. Donc l'agression de Berghoff devait pas avoir lieu, l'UTMR non plus, et par chance celle-ci a eu lieu. Donc Lydie Hawker a appelé Ruth pour lui dire, come on, you shall be here. Short race, 20 kilometer. Yeah. Yesterday it was planned to be a 23 kilometer. I think it's really a hard year for the UTMR because they had to cancel the 100 mile. They only managed to maintain this race, which is the shortest sister. Donc vraiment année difficile pour l'UTMR. And yesterday more. These problems, so... But today, no problems, I think it was good. Yeah, I think we can really be proud and happy of the job was done. And that we're able to race. So next step for you, you told us 2 weeks ago, tu nous l'as dit il y a 15 jours, c'était les Templiers. Yeah. It seems that it's going to be maintained. Yeah, hopefully. I don't know, at the moment it's just, everything changes week by week, so we'll just see what happens in October. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer d'ici là? What are you going to do before the Templiers? Do you have plans? The goal is just to train and hope that Les Templiers goes ahead and then find some other races between now and then to do around Switzerland and that. We'll just see. Yeah. The big, Martin qui courait aussi, ils ont fini la ligne tous les deux. Courait, ramasse derrière, ouais, attendez. Non, les talons sont décollés, donc pour moi c'était de la course à pied. Ah, c'est ça. Et la course sympa, chouette. Lydie a eu de la chance quand même de réussir à la faire. Ouais. T'en as dégagé quoi de ce 20 km c'est pas tant le 20 km, c'est pouvoir aussi venir sur un endroit comme ça qui est plutôt canon, et puis c'est. C'est dommage parce que, enfin dommage, non, j'ai pas critiqué, mais de voir plein de gens ici, ils ont aucune idée de qui est Lizzie Hawker. Et cette nana, c'est juste une légende, quoi. Et du coup, de pouvoir venir à une course qu'elle organise et puis continuer à faire perdurer un peu ce qu'elle rend finalement, parce que pendant longtemps, elle a fait vibrer le sport sur des courses comme l'UTMB. Et du coup, de pouvoir être ici, participer à ce truc-là, et puis de venir la voir. Non, moi, je trouve ça génial. Donc, déjà sur l'aspect communautaire, et puis après, c'est aussi l'occasion de courir avec Ruth. Même si, au final, elle a fait que ma. Enfin, j'ai pas fait que ma tante. La première montée, on a chié presque autant que moi. Sauf que moi, j'ai fait 3 runs cette semaine, et elle en a déjà plus de 100 bornes. Donc, c'est normal qu'elle soit claquée. It was a pleasure also for you to run with him. C'était aussi sympa? Yeah, cool. Et voilà. Et puis on est peinard, on est au soleil avec les copains. Magnifique. Et puis faut le dire quand même parce que ils se donnent. Hein, parce que on se dit c'est une course de 20 bornes facile. Mais sauf que encore hier ça devait être 23 bornes et puis 1003 et puis glissement de terrain. Ils se sont pas démontés quoi. Et je pense que c'est aussi un peu ça l'attitude des ultra runners. Non mais il y a des problèmes tu fais avec. Et, hier ils ont passé la journée à refaire un parcours pour nous permettre de courir aujourd'hui et c'est génial quoi. Moi je suis vraiment content de pouvoir venir ici et puis supporter ces initiatives. The best for you, to beer, wine, Martin pareil. Merci et puis bravo à toi pour la course aussi. De rien du tout, il s'est rien passé, rien du tout. Allez, bis à tous les deux et puis see you. Ciao, merci. Au Templiers.